originaire du continent américain, on considère que c'est la vengeance des Indiens. En fin de compte, la situation actuelle, c'est que nous avons environ 1,250 milliard de humains, donc environ 1 milliard d'hommes et 250 millions de femmes à travers le monde. Mais le plus inquiétant, c'est que, en fonction du taux de fumeuse, donc pour les femmes, et heureusement que vous voyez que notre pays est relativement épargné pour les femmes. Alors que pour les hommes, la situation est beaucoup plus grave parce que là, nous sommes parmi les pays, disons, les champions du tabac génétique. Et plus proche de la réalité, tout en sachant que dans certaines régions, peut-être la capitale, les femmes ont beaucoup plus d'habitude de fumer que dans le reste du pays, comme vous le savez. Ce qui inquiète aussi, c'est que, auparavant, les hommes commençaient à fumer, généralement aux alentours de la vingtaine. Donc, plutôt de coucher à l'Ascar, actuellement, malheureusement, donc, dans cette étude réalisée auprès de jeunes scolarisés en 2000, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui fument. Et que malheureusement, donc, par exemple, là, entre 18 et 20 ans, 37% des garçons et 4,30% des filles fument. Ce qui est vraiment inquiétant, comme nous allons le voir, le fait d'imputer le tabagisme à un âge jeune où l'organisme n'a pas complété sa croissance, majeure le risque de méfait de ce tabagisme. Le tabagisme tue, effectivement. Actuellement, on estime qu'il y a environ 5 millions de décès par an à travers le monde, ce qui représente environ 7% de l'ensemble des décès. On estime que chaque année, il y a environ 50 à 55 millions de décès par an. Donc à travers le monde. Et en 2025, les prévisions laissent prévoir 10 millions de décès par an. Là, c'est simple. Les journaux rapportent en première page, par exemple, là, l'accident d'avion avec 200 décès, 250. Là, c'est une vraie catastrophe. La bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki était vraiment des faits marquants dans l'histoire de l'humanité, puisque chaque bombe a tué environ 80 à 100 millions de personnes, 100 000 personnes, donc 80 à 100 000. Si on fait un petit calcul, 10 millions de décès par an, ça veut dire 10 millions sur 350 jours presque. On est à pratiquement deux bombes, même plus, par semaine. Tout simplement. Donc, ce que les gens oublient, c'est que un fumeur sur deux meurt suite à une maladie en rapport avec son tabagisme. Nous avons 1 milliard de personnes qui fument. Donc, parmi les gens qui vivent actuellement, on estime que 500 millions mourront avec maladie en rapport avec le tabac. Au cours du XXe siècle, il y a eu 100 millions de décès. Au cours de ce siècle-là, ce nombre est de 1 milliard. En Tunisie, la plus large étude concernant la mortalité en rapport avec le tabac a été réalisée en 1997 et où on a trouvé que parmi les âgés de 25 ans et plus, le tabac est responsable de 22% des décès chez les hommes et de 4% des décès chez les femmes, soit environ 5500 hommes et environ 850 femmes. Et ce sont essentiellement les maladies cardiovasculaires et les cancers qui sont en cause. Malheureusement, chez nous, nous fumons jusqu'à, je dirais, se rassasier. Parce que là,
nous avons deux tiers des hommes et 50% des femmes qui fument un paquet ou plus. 20 cigarettes ou plus par jour. Avec une moyenne d'environ 17 à 18. Donc c'est essentiellement, ce sont essentiellement les cigarettes qui sont utilisées, mais il ne faut pas oublier que les sujets d'un âge avancé, donc ce sont essentiellement les âgés de 50, de 45, 50 et plus, qui continuent à utiliser le tabac utilisé, NAFA. Donc vous voyez bien que, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes, là, presque 20% des hommes et 14% des femmes âgées consomment le tabagisme sous cette forme. Mais nous avons une nouvelle façon de fumer, qui est une chicha, le narguilé, et qui est une façon qui est importée essentiellement du Moyen-Orient. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons 13,5% des garçons et 4% des filles. Ceci en ne parlant que des jeunes qui utilisent le narguilé. Vous donnez une idée, une séance de narguilé entraîne la consommation de tabac, une consommation équivalente à 40 à 60 cigarettes. Une séance prolongée peut entraîner la consommation d'équivalent de 100 à 120 cigarettes. Par jour, on a un terre à aller jusqu'à ce que tout le monde. Il faut imaginer les conséquences. Et c'est d'autant plus que pas mal de gens pensent que le fait que la fumée passe à travers l'eau, donc ça permet de diminuer les méfaits de tabac. Ceci est complètement faux. Le narguilé est aussi, sinon plus, nocif pour la santé que les cigarettes. En plus de ça, je me rappelle bien que nous avons hospitalisé dans le service deux tuberculeux, dont la profession était de préparer la chicha pour les clients. Donc il faut imaginer des risques sanitaires autres que ce rapport avec le tabac. Faites fumer, ça veut dire en fin de compte de brûler de l'argent. Et comme un bon stratien, donc je tombe les. Donc, sur le plan pratique pour la Tunisie, on estime que environ 6% du produit brut tunisien part en fumée. Bon, certains disent que bon, c'est le côté économique, il était important de vraiment investir dans certains secteurs d'économie pour qu'il y ait de l'argent dans les caisses d'État. En fait, c'est vrai, le tabagisme rapporte environ 1000 millions de dinars, un milliard d'un pour l'État. Notre budget est d'environ 17 millions de dinars, 17 milliards de dinars, donc ça se partage un milliard. Donc maintenant, presque 7 à 8% par rapport avec le tabac. Parce que chaque paquet vendu, finalement, le prix du tabac, 70, presque 70 à 75% du prix du tabac est en rapport, sont en rapport avec, avec la fiscalité. Et donc, c'est l'État qui gagne. Et donc, deuxièmement, c'est un secteur qui emploie des gens, environ 50 000 personnes. Mais ceci a un coût, et c'est un coût qui gêne essentiellement les gens pauvres ou bien la classe moyenne. Effectivement, à l'échelle mondiale, vous voyez bien qu'un paquet de cigarettes permet d'acheter 1,5 kg de concombre en Georgie, par exemple, dans 12. Donc, au Panama, un demi-kilo de poisson en France, 6 kilos de riz au Bangladesh, pays qui est ravagé par la famine. Et si on voit la Tunisie, nous voyons que, bon, prix moyen de 6 kilos de concombre, 40 heures, etc. Il y a le malboulot, un peu plus de 40 heures.
terminato lo fermo. Même le tabac, les cigarettes tunisiennes coûtent à la table de l'arrivée. Donc, la moitié. Pas de peur de se faire deux places, c'est un principe. C'est utile, mais. Les autres contrôles n'ont pas de stade. Oui, mais c'est. Comment on risque d'avoir le fait? Le fait d'imaginer 6 kilos de riz au Bangladesh. Ah, c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Dans le monde, on estime que le nombre de gens pauvres qui n'arrivent pas à manger jusqu'à se rassasier est avoisine d'un milliard. Le Bangladesh est parmi l'un des pays les plus pauvres de la planète. Bon, sur le plan évolution chronologique, à un certain moment, donc, on consommait les cigarettes sans filtre. Et à un certain moment, les firmes qui produisent des cigarettes, donc le tabac, ont innové en apportant le filtre. Et pour eux, c'était vraiment une découverte, c'était fumer sans empêcher les méfaits du tabac. Mais pour résumer, donc les cigarettes blanches, légères et filtres, ça a changé. Le paysage des maladies en rapport avec le tabac, essentiellement pour le moment. Parce que, pour résumer, ce que nous avons constaté au bout de quelques dizaines d'années après la commercialisation de ces produits, c'est que, au lieu que les malades fassent leur cancer à ce niveau-là, donc tout près des vaisseaux, ces cancers se développent actuellement à la périphérie. Et c'est tout. Donc finalement, nous avons toujours le cancer. Et nous avons toujours les décès. Et avec filtre ou sans filtre, c'est pratiquement du filtre. La fumée de cigarette, c'est en fin de compte un mélange de tout ça. Donc, soyez d'homme, soyez oiseau, soyez cynique, la cynique, parfois, donc le taux de Napoléon, soyez cadmium, soit nicotine, en fin de compte, la nicotine, c'est quoi? La nicotine, c'est un insecticide. C'est pour tuer les insectes. D'accord? La nicotine. Donc, il y a un peu plus, bon, environ 3500, un peu moins de 4000 substances, donc plus que 3000 substances dans la fumée de cigarette. Ces produits peuvent être classés en quatre produits. Les alcaloïdes, donc essentiellement la nicotine. Le CO qui gêne le transport d'oxygène lourd en 50 zanzan, donc le monoxyde de carbone, tarte zanzan au Cameroun, et les décès qui résultent de tout ça, la conséquence c'est que les tabagiques ont un peu plus de problèmes pour transporter l'oxygène dans le sang, du fait de l'existence de CO. Les produits irritants multiples qui entraînent l'irritation à la bronchite chronique et pas mal d'autres produits, et les cancérigènes. Des radioéléments, des produits radioactifs, carrément, du goudron, etc. Donc, pas mal de produits cancérigènes. L'essentiel, c'est que ce que nous pouvons retenir actuellement concernant cette accoutumance au tabagisme, c'est qu'il y a un produit, la nicotine, qui est essentiellement en cause. En effet, la nicotine crée la dépendance parce que c'est un produit qui est très rapidement absorbé. Au bout de 7 secondes, la nicotine arrive au cerveau. Donc, beaucoup plus rapide qu'une injection intraveineuse. Et, du coup, les gens vont sentir les effets de la nicotine. Les effets qui sont variables d'un individu à un autre, mais de toute façon, il y a cette sensation de plaisir qui est tributaire de la consommation de tabac et qui va être à l'origine de la dépendance. Le fait d'arrêter de fumer entraîne des signes de manque. C'est pratiquement une drogue. Et donc là, ce n'est pas comme les drogues dures. C'est pratiquement une drogue douce, mais de toute façon, c'est une drogue. Les drogues dures, comme vous savez, en cas de manque, l'individu peut
perdre sa raison, il peut tout faire pour récupérer sa drogue et pouvoir et s'approvisionner. Alors que pour la nicotine, les symptômes de manque sont, disons, moins aigus que ça et moins forts. Mais de toute façon, ce qui est caractéristique de la nicotine, c'est que chaque fumeur développe son propre syndrome. Il y a certains signes qui sont en rapport avec des effets déprimants. Donc il y a des gens qui deviennent angoissés, nerveux, irritables. L'exemple, si je prends pas, donc il y a le rachou, quand il y a des cas de souffrir. Et d'autres qui ont des effets en rapport avec les effets stimulants, donc les gens ne peuvent plus se concentrer, deviennent ralentis, etc. Mais de toute façon, tout ceci peut expliquer donc, cette dépendance à la nicotine, l'envie obsédante de cigarettes qui peut persister. Donc il y a des gens, même après 6, 7, 8 mois, une année d'arrêt de tabagisme, Et là, c'est très important parce que ça peut entraîner une récidive. Et donc, il est très important d'insister sur ça. Bon, le fait de fumer, ça veut dire débuter le tabagisme. Et le début fait le plus souvent à un âge jeune. Généralement, on estime qu'entre 11 et 12 ans, on est habituellement opposé au tabac. Entre 12 et 14 ans, on débute l'adolescence, et au cours de l'adolescence, il faut prouver aux autres qu'on est passé d'un stade à un autre. Et donc, c'est une transition vers le monde des adultes. Et pour prouver son existence, il faut transgresser l'interdit. Et donc, on commence un peu à fumer. En plus, le fait de fumer, c'est un échange entre un groupe, les éléments d'un groupe. C'est montrer la virilité et jouir de la faune. C'est la séduction de la fille. Et en fin de compte, c'est une façon pour entrer dans un groupe. Malheureusement, là, ça débute donc, petit à petit jusqu'à arriver à un stade, généralement, donc après 15 ans, les gens sont beaucoup plus pris par. Avec la répétition de la consommation de cigarettes, à finalement devenir de vrais dépendants avec un besoin qui s'intériorise. Et du coup, les gens deviennent dépendants et surtout, l'existence de rituels, tabac café, tabac alcool, tabac travail, etc. Et du coup, donc, ce besoin s'intériorise, on devient de vrais fumeurs. Voilà pas quoi. Et c'est le début d'une histoire qui, malheureusement, finit par, parfois, donc dans la moitié des cas, emporter le fumeur, ou moins, qui finit par nuire à sa santé. Là, je vous montre les principaux méfaits du tabac. Donc, la toxicité générale. L'espérance de vie d'un occidental à 25 ans est réduite de 8 ans s'il fume plus que 2 paquets par jour. Une cigarette réduit d'environ 5 minutes la durée de vie. On estime que 90% des cancers bronchiques sont en rapport avec le tabac. 15 à 20% de d'autres cancers, tels que le cancer d'imbécile, les cancers ORL, etc., sont en rapport avec le tabac. 75% des bronchopathies chroniques obstructives, donc le bronchite chronique qui finit par entraîner l'essoufflement très important du patient, lui dépendant de l'oxygène, de l'ochroyamine, de avec les dépenses et les souffrances essentiellement. Et 25% des décès par maladie cardiovasculaire entre 35 et 70 ans. Là, je vous montre cette courbe parce qu'elle est très importante pour que les gens comprennent. Donc nous avons là le modèle d'un pays où il y a une augmentation progressive du taux des fumeurs. Et vous voyez là le taux de mortalité. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un décalage d'environ une trentaine d'années entre l'augmentation du pic des fumeurs, du taux des fumeurs, et l'augmentation des décès. Parce que la toxicité du tabac et sa mortalité
peut n'apparaître qu'après plusieurs décennies de consommation, ce qui est très important. Donc, lorsqu'on parle à un jeune que de l'effet du tabac et du risque de décès, quand on a un accident naturel, ça ne me concerne pas. Ça concerne les autres. Qui m'a trouvé un jeune de 17 ou 18 ans, il se balade sur sa moto. Une seule roue, une conserve quand je raccourais à Malaka, allez, pour lui, il est immortel. C'est un superman. Il ne mourra pas. Et la conséquence, en fumant, finalement, c'est une mort à petit feu. Mais pour lui, il ne mourra pas. Ce sont les autres qui vont mourir. Ah non, il ne mourra pas. Nous sommes là, d'abord, parce que nous pensons que nous n'allons pas mourir. Et donc, nous continuons à fonctionner, à travailler, à programmer, etc. Alors que, en fin de compte, nous savons très bien que nous allons mourir. Mais comme réflexe psychologique, nous sommes obligés de penser que nous n'allons pas mourir. C'est celui d'à côté. Ce sont nos amis, les autres personnes qui vont mourir. Nous n'allons pas mourir. Donc, nous faisons tout comme si on allait vivre de façon éternelle. Et donc, c'est exactement ça ce qui se passe pour le fumeur. Donc, je passe rapidement parce que tout le monde sait que ça augmente le risque d'infarctus du myocarde, d'artérite des membres inférieurs, d'accident vasculaire cérébral, donc Inch'Allah, risque d'hypertension artérielle. Là, je veux insister sur pilule et tabac, parce que la femme qui fume et qui prend comme contraceptif la pilule, elle multiplie par 5 son risque d'accident vasculaire cérébral et d'accident thrombotique. Et le tabac augmente le risque de mort subite. Les BPCO, j'en ai parlé, c'est vraiment un fléau, et on estime que dans les décennies qui viennent, ça sera l'une des maladies les plus fréquentes à l'échelle mondiale. Le cancer du poumon. Pour résumer, un fumeur sur 10 fera un cancer du poumon. Le fait de fumer augmente de 30 à 50 fois le risque de développer un cancer. Ce sont essentiellement les gens qui fument, qui ont fumé plus que 20 paquets années. Comment on calcule 20 paquets années? On multiplie le nombre de paquets consommés par jour par le nombre d'années de consommation. Par exemple, celui qui fume 2 paquets par jour pendant 15 ans, c'est 2 fois 15. Ça fait 30. Donc, il est à haut risque de développer un cancer. Celui qui fume un paquet par jour pendant 10 ans, 1 fois 10, ça fait 10. Il n'est pas encore à très haut risque de cancer du poumon. Mais, il y a un terrain génétique. Et donc, celui qui, j'ai vu des cancéreux qui ont développé un cancer du poumon, parce que sur le plan familial, leur père, leur oncle a développé un cancer, à 5 paquets années. Donc c'est toujours mauvais. De toute façon, à 10 paquets années, le risque de bronchite chronique augmente. Donc c'est toujours mauvais pour la santé. Même une cigarette par jour, c'est mauvais pour la santé. Donc, cette notion-là. Mais une notion très importante, c'est que en doublant la quantité, on multiplie par 2 le risque de cancer. Mais en doublant la durée, on multiplie par 20 le risque de cancer. Ça veut dire que celui qui a fumé 20 durant 20 ans et celui qui a fumé 40 ans, donc en comparant, nous allons voir que celui qui a fumé 40 ans a 20 fois plus de risque de développer un cancer que celui qui a fumé 20 ans. Donc c'est vraiment très important. Les autres facteurs aggravants donc, sont multiples, mais essentiellement, donc, retenez le début du tabagisme à un âge jeune, avant la fin de la croissance. Chez la femme, donc, de multiples effets indésirables, tels que le risque d'avortement, le risque de prématurité, le risque de mortalité intra-utérine, donc, de l'enfant, sont très importants et augmentent avec le tabagisme. Je passe rapidement, donc, l'appareil aéro-digestif, donc le risque de cancer de la cavité buccale
le cancer de l'œsophage, de l'anagite chronique, du cancer de larynx, sur le plan génitourinaire, le cancer de la vessie, parce que les produits qu'on inhale passent dans le sang, ils sont éliminés dans les urines. Donc, en se mettant dans la vessie, il augmente le risque de cancer de la vessie. L'impuissance chez l'homme, et ce méfait-là pousse pas mal d'hommes à arrêter de fumer, ce qui est bien. Donc, finalement, ça nous aide. Cutané, et pour les femmes, ça, c'est un élément qui les encourage à arrêter de fumer, parce que, essentiellement pour les femmes, le tabagisme entraîne le vieillissement, on a même une accélération de vieillissement de la peau. Il y a la fumée latérale aussi, donc lorsqu'on fume, on gêne les gens qui se trouvent à côté de nous. Et pour vous donner une idée, pour nous, pour nous, nous disons que lorsque les parents fument, les enfants tous. Le risque de bronchite aiguë, le risque même d'otite augmente chez l'enfant, donc les parents essentiellement dans la mère fument. Mais, les mauvaises choses n'arrivent pas aux autres. Et malheureusement, les gens ne s'aperçoivent de ça qu'à un stade très avancé ou le mari fait. Donc, le sevrage tabagique. Nous poussons et nous voulons pousser toujours les gens à arrêter de fumer parce que nous voulons prévenir le développement de maladies et arrêter ou ralentir la progression de maladies. Donc, ce sont les deux buts essentiels du sevrage. Le sevrage tabagique permet d'améliorer l'état de l'individu. Et là, je vais insister sur certains points très importants. Par exemple, le fait d'arrêter de fumer permet une meilleure circulation sanguine dans les mains et les pieds, parce que chaque cigarette entraîne une fermeture des petits vaisseaux qui se lèvent après presque une vingtaine de minutes. Il y a une amélioration du goût et de l'odorat après 48 heures. Donc 2 jours seulement. Et le fumeur qui arrête permet de mieux savourer les aliments et mieux sentir les odeurs. Et donc, il va avoir un goût amélioré. Ce qui est très important, c'est qu'à 1 an, le risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, en fait, devient égal à celui d'un non-fumeur. L'accident vasculaire cérébral survient essentiellement chez les sujets âgés. Lorsque ces gens-là arrêtent de fumer, ils vont réduire énormément le risque d'AVC, ce qui est un gain très important. Donc celui qui vous dit que ça fait 40 ou 50 ans qu'il fume et que à 80 ou à 70 ans, ne va rien gagner en arrêtant de fumer, là c'est complètement faux. Celui qui atteint 80 ans est quelqu'un qui lui reste à vivre en 25 ans. Si dès la première année il se met l'arrêt de tabagisme, le sevrage, il arrive à baisser son risque d'AVC, c'est qu'il va gagner durant 4 ans les bienfaits de cet arrêt de tabagisme. Donc c'est vraiment un gain énorme. D'autant plus que le risque d'infarctus du myocarde est divisé par 2. Donc ce sont au moins 2 gains très importants chez les sujets âgés qui arrêtent de fumer.